chair. Straight down at 9.9. Oh shit. Yeah, yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic neurotic. Salut tout le monde, salut les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve sur le spot Ikai, d'où mon attirail. C'était nul comme jeu de mots. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo qui va changer de l'ordinaire, qui va être nouveau sur ma chaîne, une nouvelle catégorie de vidéos en quelque sorte. Vous allez m'accompagner sur l'un de mes entraînements, je vais vous montrer comment je m'entraîne, comment je m'améliore pour certains enchaînements par exemple, ou comment je fais pour m'améliorer sur certaines figures. Cette vidéo elle va s'appeler tout simplement un train vlog. C'est la première vidéo d'une longue suite de vidéos qui pourrait être vraiment sympa de montrer mon quotidien, de montrer comment je m'entraîne. Donc aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur les enchaînements. Et il caille vraiment. On va arrêter dans le là. Je vais pas vous montrer mon doux visage. Il caille vraiment trop. Petite technique pour se réchauffer quand on n'a pas forcément le choix. La moto est en train de chauffer, mais tu peux te réchauffer aussi. N'hésite pas, tu mets tes mains au niveau de l'échappement pour te réchauffer. Je suis pas sûr que ça soit bon pour la peau, hein, je vais vous l'avouer. Hein. Mais au moins ça te réchauffe. Ah, il caille. Au passage, avant de commencer, je vais vous montrer une autre technique. Quand tu arrives sur le spot avec ton camion, surtout tu le coupes pas. Ce que tu fais, ou avant que tu arrives sur le spot, tu mets tes gants juste ici, tu mets ton casque juste là, comme ça, et tu laisses bien chauffer, surtout quand il caille comme ça. Là, je crois qu'on est sur les alentours des moins 1 degré. Il caille vraiment. Aujourd'hui, ça va piquer les doigts. N'hésite pas à chauffer ton propre corps pour être bien à température toi aussi. Parce que si tu t'échauffes pas, c'est là que tu vas faire un claquage. Surtout avec la température qui est de moins 2 degrés, je rappelle. Ressenti, je pense qu'on est sur du moins 10. Il caille de ouf. Donc n'hésite pas à t'échauffer, c'est vraiment méga important pour pas te blesser, pour pas te faire de claquage et pas te faire de déchirure. Je vais être fatigué avant de monter sur la moto, moi. N'hésitez pas aussi à bien échauffer vos articulations, c'est méga important. Que ce soit au niveau du poignet, que ce soit au niveau de votre cheville, la droite. On dirait pas que je suis en train de faire un pas de danse. Ah, c'est vraiment important, vraiment vous échauffer. N'hésitez pas à faire des étirements aussi pour vraiment être au top. Vraiment là-dessus, c'est vraiment très important de bien faire ces étirements, de bien chauffer avant un entraînement pour pas avoir un claquage, pour pas te déchirer ou te faire mal. Parce que croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait le con. Quand on s'échauffe pas ou qu'on fait pas attention à son propre corps, que ça soit au niveau de la moto ou son propre corps, je veux dire, c'est là qu'on se fait mal. Des fois, ça met longtemps à s'en remettre. J'ai eu pas mal de blessures. D'ailleurs, je pense vraiment, dites-moi si ça m'intéresse, je ferai vraiment une vidéo dédiée aux entraînements que je fais au quotidien pour vraiment être au top de ma forme. Dites-moi si ça m'intéresse en commentaire. N'ayez vraiment pas peur de paraître con hein, sur le spot. C'est vraiment méga important de vous échauffer. Enfin bref, je suis chaud, je suis bien. La moto est chaude. Ouais, elle a 90 degrés. Donc on va pouvoir y aller. Bon, déjà première étape de ce petit train vlog, je vais vous apprendre comment je fais pour travailler mes enchaînements de figures. La première étape va consister à travailler chaque figure indépendamment les unes des autres. Par exemple, si je fais un enchaînement, aujourd'hui on va essayer, je verrai bien le 3-6, circle gauche, watchtower. On va commencer très très simple. Donc ce qu'on va faire, déjà dans un premier temps, on va travailler notre 3-6. Quand je dis 3-6, ça donne ça. Quand je dis cercle à gauche, ça donne ça. Voilà, là maintenant, vous pouvez vous rendre compte que je suis en cercle. Je suis totalement en cercle, tout à fait à mon aise, tout va bien, je suis dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Et quand je dis watchtower, ça donne ceci. Et on monte. Donc vraiment la première étape vont consister à vraiment travailler chaque tricks pour être le plus à l'aise possible. Une fois que tu auras maîtrisé tous ces tricks, ou une fois que je maîtrise tous ces tricks, c'est là, à ce moment-là, que je commence à faire mes enchaînements. Bon les mecs, déjà on va travailler ce premier exercice. Je vous rappelle, ce premier exercice, c'est un 3-6. Car on a comme objectif de faire 3-6, cercle gauche, watchtower.
Donc d'abord, on va travailler les 3-6. Je vous rappelle le principe du 3-6, on arrive avec un peu de vitesse, on vient slider tout en mettant son corps vers l'arrière pour repartir en cercle à gauche. Si tu glisses, à gauche bien entendu. Donc vas-y, on va s'acharner, on fait les 3-6. Premier 3-6, vous voyez mon premier 3-6, il était hasardeux. C'est pour ça que c'est vraiment très important de répéter les figures indépendamment les unes des autres avant de faire l'enchaînement. Ça t'apporte beaucoup, vraiment. Donc là, on retente. Comme vous pouvez voir, la deuxième fois était la bonne. Voilà, je repose. Et ainsi de suite, je recommence jusqu'à l'avoir parfaitement, minimum 5 fois d'affilée. Voilà, donc allez, on s'acharne, on s'acharne. Et de une, on peut faire même des douanes. Voilà, c'est cool. On l'a de une. Plus de rotation. Vous voyez, je commence à me chauffer et je commence à bien le maîtriser. Donc c'est vraiment important. On est parti pour la troisième. C'est parti. En avant, gang. Oh. Et deux, trois. C'est parti pour la quatrième. Et on fait la quatre. Oh, si je maîtrise 5 fois d'affilée, on peut passer à autre chose. En passant à la cinquième, j'ai un petit peu un compteur dans ma tête. Si je maîtrise 5 fois d'affilée, je passe au trick suivant. Donc, on est sur la cinquième. Si je le chie, je recommence 5 fois. Si je le chie pas, j'enchaîne en m'entraînant au watchtower. Et après, on fait l'enchaînement. Ah, je l'ai chié. Donc, c'est reparti pour 5 fois, les mecs. Et deux. Maintenant on passe à la deuxième. Un petit slide. Reparti sur la deuxième. Et de deux. C'est peut-être à la troisième que je vais me chier. Et de trois. Allez, la quatrième. Allez Romain, allez. Quatrième. On repose. On est sur la quatrième. La cinquième, on arrive sur la cinquième fois. Je vous répète, si je le chie encore une fois, faut que je me le retape 5 fois. Gros problème que j'ai là par exemple, c'est que le pneu est très très chaud. Il est très très chaud et il adhère plus du tout. C'est le problème qu'il y a là par exemple. Donc on va se le refaire avec un maximum de plaisir, avec un maximum d'énergie. Et après on enchaîne sur les watchtowers. Allez, on est sur la cinquième. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas si dur que ça. Là on est en EN, voilà. On repose doucement. Maintenant, on peut enchaîner sur les watchtower. Qu'est-ce que c'est un watchtower? Le but du watchtower, c'est vraiment de se mettre sur la tête de four, debout, faire des tours et des tours. Voilà. Je vous montre, c'est très simple. On met un petit peu de ralenti quand même. On se met en cercle. On penche son guidon tout à droite, bien amputé. Là, on met son premier et on monte. Je suis en watchtower. Tout va bien. Faut juste faire. Attention que j'ai plus d'essence, je n'ai plus d'essence, il faut que je remette de l'essence. Erreur du débutant, pensez à mettre toujours de l'essence. Petit arrêt au stand, hein. Oui, comme je disais, je sais pas si vous m'avez entendu, pensez à toujours mettre de l'essence. La grosse erreur de débutant, bah j'ai oublié de mettre de l'essence dans mon réservoir. Top Romain, vraiment top. Donc tu prends ton petit bidon et tu mets de l'essence dans ton réservoir. Écoute-moi. Voilà, comme ceci, c'est comme ça. Alors, tuto, pour mettre de l'essence dans un réservoir, au jour d'aujourd'hui, vous avez des magnifiques bidons. Bidons de 10 litres, 20 litres, 5 litres. Vous avez toutes sortes de bidons. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous mettez votre petite bec verseur au bout de ce bidon, tout délicatement, sans trop serrer, parce que sinon tu vas niquer le joint et tu vas niquer l'embout. Et tu verses délicatement, sans trop de nervosité, parce que mon réservoir, il n'y a pas beaucoup de passages pour faire passer l'essence. Voilà. Et commence à cailler.
Voilà, maintenant on est en sécurité, on a mis de l'essence et on peut y retourner. Bon, je vous rappelle le principe du watchtower, c'est vraiment de se mettre debout sur la fourche. Après vous pouvez varier, bien entendu, vous pouvez tendre une jambe en l'air, etc, etc. Je vais vous montrer. Déjà, on va se faire un petit peu de watchtower, je vais essayer de vous expliquer comment le faire. Et une fois qu'on l'aura, eh ben, on enchaînera tout l'enchaînement. Allez, watchtower. Première étape, on se met en wheeling et en cercle à gauche. Donc on se met en ligne droite, on lève. On est en cercle, on vient en cercle à gauche. Une fois qu'on est en cercle à gauche, on met son guidon en buté vers la droite. Comme ceci. Vous pouvez voir, je peux lâcher la main. On vient prendre sa main juste ici. On met un pied dans le réservoir, le pied gauche. Et avec le pied droit, on vient monter sur la tête de fourche. Comme ça. Et on est en watchtower. Tout simple. On est en 3-6, on met son guidon vers la droite et on fait un magnifique watchtower. On peut même tendre la jambe. Et on part délicatement. Voilà les mecs, premier train vlog sur la chaîne, c'est fini. J'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé. Le gars ne sait plus quoi dire. En tout cas, cette vidéo, elle est vraiment toute simple, mais je trouvais ça super intéressant de vous emmener sur mes quotidiens en entraînement. Aujourd'hui, c'était les enchaînements, je vous montre comment je travaille mes enchaînements, mais la prochaine fois, ça sera pas forcément ça. Et il y aura aussi des train vlogs où je serai pas forcément tout seul. Par exemple, on peut se faire des train vlogs avec des potes, on peut se faire un out of game. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un out of game, tout simplement un jeu, on fait une battle en quelque sorte. Par exemple, il y en a un, il fait un tricks. Le but du jeu, c'est que moi, je refasse ce tricks. S'il n'arrive pas à faire son tricks, c'est moi qui fais le tricks et il doit faire mon tricks. Et s'il n'y arrive pas, bah, il prend une lettre et dès que le mot out est écrit, bah, t'es out. T'es dégage. 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 T'es nul à chier, tu vois. J'ai les cacahuètes gelées. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Oh, je dois avoir une de ces gueules de cette position. Ça doit être dégueulasse. Non, plus sérieusement les mecs, vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas à mettre des likes ou des dislikes, comme je dis toujours, si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Et des commentaires, participez, participez. Je veux vous voir écrire et j'ai envie de communiquer avec vous. C'est comme ça qu'on fera évoluer la chaîne et que c'est comme ça que j'évoluerai avec vous. Le but, c'est vraiment d'évoluer tous ensemble. Et surtout que je m'améliore de vidéo en vidéo. Donc t'as intérêt de mettre des commentaires et t'as intérêt de mettre des likes ou des dislikes. Sinon, en tout cas sur ce, moi je vais me rentrer parce qu'il caille vraiment, il fait vraiment moins 2. Là on a un petit peu de chance, on a un petit peu de soleil, mais je peux vous garantir qu'il caille, qu'il caille, qu'il caille. Exemple tout con, là je me suis arrêté, allez 5-10 minutes, le pneu il est déjà gelé. À la prochaine, peace les mecs.